Salut tout le monde, c'est Diablo et aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode du Let's Play de Miss for Speed Most Wanted 2005. La fois précédente, on avait affronté Baz. On avait gagné. On avait gagné assez facilement. Mais malheureusement, on n'avait pas récupéré sa voiture. Donc cette fois-ci, on va continuer les courses pour prétendre affronter le 15e. Donc on va refaire, continuer les courses en enchaînant un deuxième élimination. J'ai un doute. On va passer par là. Ouais, je pouvais prendre le cut. Et c'est bleu. Hein. Ouais, cette fois-ci on va prendre le raccourci.
une américaine. Allez, on est dans le moteur. Alors, en termes de course, on va se prendre 3 défis. Allez, on va faire les défis. Donc, RT 4 flics, 5000 de primes. Échapper les flics en 4 minutes. Donc, c'est parti. Sachant qu'il va falloir faire 5000 de primes. J'ai des unités au sol qui se libèrent pour intervenir. C'est un peu compliqué. La chasse est à la hauteur du suspect, il se prend à nous. Essayez de l'avoir, stand-by. Ok, ils sont tous entre eux, ils sont forts. C'est des génies de la poursuite. Compris, Charlie 6. J'ai des unités au sol qui se libèrent pour intervenir. Le code 6 est échappé. Je l'ai perdu de vue. Je vous rappelle. Correction, je suis en visu. Faut que je les attende. Je les ai échappés. Mais bon, comme vous voyez, pour faire la prime à 5000, il faut plus de 4 minutes. Je crois que la prime elle s'augmente juste en faisant du jeu à la poursuite et en détruisant les damages aux flics. Voilà.
2 sur 3. Salut, c'est moi. Je vais faire le clic. Bon, on va faire ce circuit, cette course-là. Et vous abandonnerez. Même pas, non. Cette course, ça serait un petit peu stupide. Cette course, on va la faire. On affrontera le 13e. Un classique. C'est une course qu'on faisait souvent sur les sorties de bande, c'est pour ça que je m'en souviens assez facilement. Allez, on enchaîne les courses. Même si on a une de course suffisant, je pense. Hop, on va se TP directement. Je pense que c'est tout le long de l'autoroute, donc ça met un peu de temps. À chaque fois que je battrai un joueur, je changerai l'esthétique de la voiture. Parce que certains trouvent ma bagnole pas très top. Donc je reprendrai mes bagnoles à chaque fois que je battrai quelqu'un.
Et ben, c'est ainsi que s'achève ce 5e épisode. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et de suivre, pour ceux qui suivent, ce let's play. Allez, ciao.